parti pour une nouvelle vidéo sur StumbleGuys. Aujourd'hui, je vais jouer aux meilleures maps MrBeast créées par des youtubeurs. Ils sont pas du tout au courant que je vais tester leur map. D'ailleurs, il y en a un, il a 7 millions d'abonnés, c'est énorme. Puis pour ceux qui n'ont pas suivi, récemment StumbleGuys nous ont sorti la bêta 0.64. Donc pour vous, impossible d'y jouer pour l'instant. Et on a reçu du coup plein de nouveaux objets pour créer des maps créatives. Ah oui, et puis précision, je vais totalement découvrir ces maps. J'en ai aucune idée. Est-ce qu'elles vont être simples, dures, belles, moches, je sais pas. Et on est parti sur la première Chasse Beast Arena. Oh là là, déjà, elle est beaucoup mieux faite que la mienne. On va la tester, mais bien sûr, tu mets ton grand pouce bleu, tu t'abonnes à la chaîne et le code créateur Kefko dans la boutique. Merci à tous ceux qui le font. J'ai pris mon petit MrBeast dans son avion. C'est clairement le skin le plus stylé. Oh là là, regardez. Déjà ici, il y a des petits... Non, je suis tombé. En fait, certains blocs, on va super lentement dessus. Il faut surtout pas aller à droite. Il y a le chocolat de MrBeast. Et on se fait directement broyer dans cet énorme engin. Ça, c'est vraiment une des meilleures constructions qu'ils ont ajoutées. Là, ok, on va aller à droite. Par contre, les canons, waouh, mais regardez comme ils sont en train de nous bombarder à droite. Vite. Oh, les mots de balle au Kakari. J'ai eu beaucoup trop de chance. Et oui, du coup, cette création de map MrBeast, elle va sortir pour vous d'ici une voire deux semaines. Mais là, c'est encore en bêta, en phase de test. Oh, mais regardez-moi ce bordel. Et par contre, la décoration, ah, elle est trop jolie. On a les tribunes, on a les panneaux publicitaires MrBeast, on a les caméras qui tournent, les projecteurs. Et non, vraiment, il est super chaud. Mais c'est pas le youtubeur à 7 millions d'abonnés qui a créé cette map. D'ailleurs, essaye maintenant de deviner qui est ce youtubeur dans l'espace commentaire. Bon, entre où est-ce que je dois aller par là? Ça, je crois que c'est le gros projecteur. Il faut partir sur la gauche. Mais ça, je trouve vraiment trop cool que StumbleGuys nous ont ajouté plus de possibilités pour créer des maps créatives. Et en plus, MrBeast, c'est une grosse masterclass. Mais attends, là, faut aller super vite. Ouah, non, c'est trop dur. Regardez, vous savez quoi? On va directement passer sur la deuxième plateforme. Bon, c'est un petit peu de la triche, hein, mais il faut savoir utiliser des raccourcis. Non, mais... Oh, je sens que je vais rester bloqué un moment ici. D'ailleurs, j'ai encore plein d'autres maps, hein. Attendez, je crois avoir une stratégie et mon ballon. Une stratégie en trichant. Mais on a réussi à passer. Ouah, ouah, c'est super dur. Oh, j'en ai... Non. Ah là, j'ai pas eu de chance, j'allais dire. J'en ai aucune idée comment j'ai réussi à passer. Mais finalement, je me suis fait rattraper à la fin. Oh, c'est moi ou ils ont mis quelque chose pour me tuer ici à droite? Ça, c'est vraiment pas cool. Du coup, je peux pas passer. Mais la map est ultra dure. Oh, elle va me faire rager, mais non. À tout moment, j'ai chopé la map la plus dure dès le début. Oh, c'est bon. On a réussi à passer. Et mais je n'y attendais pas que les créateurs allaient créer déjà des maps autant bien. Ok, c'est bon. On est sur la sorte d'ascenseur, vite. Ah, non. Aïe, aïe, aïe. Ok, on est bien, on est bien. Le saut final, let's go. La ligne d'arrivée. Mais non. Oh bon, ça va, il a mis un checkpoint. Là, il a vraiment été sympa. Mais à quel moment ce bloc, on passe à travers? Alors ça, c'est un piège. Mais je savais même pas que c'était possible. Bon bah c'est super bien fait, mais c'est vraiment pas sympa. Je me suis fait troller dans cette première map. Et niveau construction, on peut vraiment rien dire. Elle est incroyable. Regardez, il a mis du chocolat de MrBeast partout. Des gros biais. Eh non, vraiment, je félicite. Je lui donne un 9,5 sur 10. Et je suis très content d'avoir réussi à la terminer. Attendez, je vais aller chercher un autre petit skin qu'on a débloqué du coup sur cette bêta. Un skin légendaire. Je suis sûr qu'on peut trouver quelque chose d'assez sympathique comme le MrBeast Arctic ou alors le Kaby Krunkvise. Moi j'ai un accent un petit peu bizarre, mais il est trop bien. Et on part maintenant déjà sur la deuxième map. Enfin déjà, j'ai mis quand même pas mal de temps à terminer la première. J'espère que celle-ci va être plus simple. Attention, Beastly Challenge. Oh, oh là là, très très sympathique. Oh, et il y a vraiment beaucoup de décorations. Regardez tous les lampadaires, les billets. J'aime vraiment beaucoup. Et le skin, il est incroyable. Je suis sur une sorte de tapis volant. Je sais pas vraiment ce que c'est. Est-ce que c'est un tapis? J'en ai aucune idée ce que c'est, cette créature bizarre. Est-ce qu'il y aurait un raccourci à gauche là? Non, non, non. Je crois qu'on doit clairement monter haut. On a les gros projecteurs, les grosses caméras. Vraiment, je suis dans un tournage de MrBeast là. Mais le petit souci, c'est que c'est très très bien ça. Mais il y a un laser. Ok. Hop là. Ah. Impression que je vais quand même galérer un petit peu. Ok, on a passé le laser. Maintenant, il faut se dépêcher.
Allez vite, le laser arrive derrière. Oh c'est bon. J'ai réussi à me faire éjecter. Oh là là, mais ils ont fait des maps de fou furieux. Là je suis en train de me dire, la map que moi j'ai créée, on va rapidement y jouer après, est nulle. Elle est vraiment éclatée. Faut surtout pas aller sur les petits blocs où il y a le chocolat de MrBeast dessus, parce que vous allez super lentement. Mais ça a bugué là. J'en ai marre. Allez, pas comme avant. C'est bon, on est passé. Comment je suis censé faire? Oh là là, mais là ça commence à devenir vraiment dur. Non, mais attendez, il y a les tribunes sur la gauche. Est-ce qu'on peut tricher par les tribunes? Non. Ça je crois que c'est aussi une nouveauté sur les maps créatives. Maintenant tu peux mettre des endroits. Si t'y vas, il y a un mur invisible qui te tue. Franchement, c'est vraiment pas sympa. J'aurais trop aimé tricher. À mon avis, il y a peut-être une faille où il a mal mis le mur de protection. Non. J'y ai cru pendant un petit moment. Ok, on esquive le laser. Several days later. Ok, attention, faut sauter. Hop. Au bon moment, pour l'instant on est vraiment bien. Si j'arrive ce saut, let's go. Allez, le dernier obstacle, la Beast Games. Et on a terminé cette deuxième map créative. Il y a évidemment de l'argent partout. Oh là là, c'est trop bien, je lui donnerai un bon 9 sur 10. Je vais aussi noter ma propre map créative MrBeast après. J'ai l'impression qu'elle va vraiment être en bas du classement. Mais maintenant, on passe sur la troisième map créée par le youtubeur Raoul. Laser 100.0. Wouah. Déjà, je me suis mangé le sol dès le début. Qu'est-ce qu'il faut faire? Oh. Ah, mais attends, je crois que c'est une map laser d'élimination. Wouah. Mais c'est impossible de tenir. On peut aller sur les tribunes remplies d'argent. Oh. Regardez en plus toutes les caméras de MrBeast qui filment tous ces lasers. Oh là là, mais c'est le bordel. Allez, on va essayer de voir combien de temps je tiens sur cette arène des lasers. Impossible. Bon, c'est assez original. Ah, bah, une seconde apparemment. Allez, dernier essai. Je n'ai plus... Quoi? C'est la caméra, elle m'a éjecté dans le vide. Mais oh, laissez-moi jouer. Maintenant, le vrai challenge a débuté. Ah, mais en fait, au début, c'est un petit peu plus simple. Il y a moins de lasers. Et plus on avance, plus ça devient compliqué. Ok, j'ai compris, vous voyez là les lasers, ils avancent pas pour l'instant. À mon avis, après ça va se déclencher. Bon, la map c'est une superbe idée, mais par contre c'est beaucoup trop compliqué pour moi. On se qualifie. Bon, on a toujours le youtubeur à 7 millions d'abonnés qui nous a créé une petite map. Mais je crois pas que c'est celle-ci. On va découvrir là qu'est-ce qu'on nous a préparé. Bis laser, oh non. Encore plus de laser, comme si on n'avait pas assez dans la map précédente. Bon, c'est pas grave, cette map m'a l'air quand même un petit peu plus courte, un petit peu plus facile. Je suis d'accord qu'il y a énormément de laser sur la droite. Oh non, ils se sont déclenchés, je suis pas allé assez vite. Ok, vite, vite. Oh non. Je sais, je dois utiliser les mots de ballon. On a passé le premier obstacle de la mort. Et vraiment, il a mis tellement de laser, il a totalement abusé. Ok, là, il faut sauter sur le chocolat MrBeast. Oh, attends, c'est super dur. Je pense qu'il faut d'abord aller déjà sur celui-là. Hop. Et maintenant, je vous avoue que... Ah, mais c'est... Non, je suis nul, ou alors je comprends pas comment fonctionne cette map. Moi, j'avoue, j'ai un petit peu triché avec les mots de ballon. Vraiment, je n'y arrivais pas. Oh, si on peut passer sur la gauche, non? Non, il a mis le truc qui nous tue directement. Ça, c'est vraiment pas cool. Oh, et mais les maps MrBeast, ça ne rigole pas, elles sont super dures. Ok, on avance. En plus, à la fin, c'est une plaque avec le chocolat MrBeast. Donc, ça va nous ralentir vraiment de faux furieux. J'en peux plus de cette map. Je suis déjà mort une centaine de fois, honnêtement. Pour seul espoir, c'est à nouveau les mots de ballon pour sauter directement sur la dernière plaque. Parce que vraiment, celle du milieu, elle reste mais une milliseconde. Regardez, à peine j'atterris dessus, elle s'enlève déjà. Oh, let's go. J'ai cru qu'on allait mourir. Oh, ça c'est une trop bonne idée. Regardez, il a mis du coup les broyeurs, mais en dessous il a mis des petits ventilateurs et ça nous permet d'avancer. Il a mis plein de lasers. Oh, ça par contre c'est vraiment une superbe idée. Oh non. Je sais même pas comment j'avais fait pour passer et malheureusement je suis mort à la fin. Ok, ok. Allez, monte-moi plus haut. Je pense qu'il faut aller à gauche peut-être. Allez, allez. Oui. Eh, par contre, cette map, j'en ai marre, elle était beaucoup trop dure. Elle m'a fait plus en plomb, c'était tellement long. Mais allez, on lui donne quand même 8 sur 10, j'avoue qu'elle était fun, mais rageante. Bon, map numéro 4 ou 5, je sais même plus, on en a testé franchement pas mal. Et attention à quoi ça va ressembler, MrBeast Drop. Oh, oh, mais c'est trop bien. Ça a l'air super satisfaisant. Donc là, je comprends même pas où j'ai apparu. Et on part
sur la map MrBeast. Et c'est marrant, regardez, on dirait une sorte de des petits yeux devant. Je sais pas si c'est moi qui a bu quelque chose avant de faire cette vidéo. Mais allez, on part sur le dirigeable. Une énorme caméra qui filme évidemment tout notre parcours pour tomber sur la chaîne à MrBeast. Vous allez voir, il y aura une vidéo Kefko joue à la map Stubble Guys MrBeast. Bon, je raconte n'importe quoi. Ah ouais, par contre, là, on tombe. Mais alors, on est vraiment lent. Allez, allez, go, 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 on avance. Non. Ok, c'est bon, j'ai réussi. Maintenant, il faut aller où? Et à mon avis, il faut aller au mieux. Je sais pas, c'est assez bizarre. Et on arrive sur un petit honey drop MrBeast. Bon, là, du coup, je suis tout seul. Donc, on va descendre. Et je vois pas du tout où est la ligne d'arrivée. Quoi? Mais non. Ah, c'était un piège. En plus, regardez, je meurs à l'infini. Alors ça, c'est vraiment pas cool, je me suis fait pranker dans une map MrBeast. Bon, bah malheureusement, j'ai perdu. Et attendez, j'ai quand même bien envie de voir par où il fallait passer. Oh, allez, c'est bon, en fait, j'ai compris. Il faut faire le tour par là. Regardez, je dois arriver sur la petite plateforme à droite. Non. Allez, mot de ballon. Oh, let's go. Et maintenant, plus qu'à faire tranquillement le tour pour arriver à la ligne d'arrivée. Incroyable, dans la map était vraiment drôle. Mais bon, il m'a quand même bien trollé, j'avoue. Allez, on termine cette vidéo en jouant à la map d'un youtubeur de 7 millions d'abonnés. Et c'est directement John BTC, youtubeur espagnol, si je me trompe pas. J'ai hâte de voir ce qu'il a créé comme map. Attention. Oh. MrBeast 1. Oh là 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 là, c'est clairement la map la plus moche. Je rigole, frérot, je rigole, hein. Bien sûr, elle est très très bien ta map. Mais j'avoue que comparé à ce qu'on a joué avant, c'est pas vraiment la même décoration, hein. Voilà, si on va parler un petit peu plus gentiment. Après, je dis ça alors que ma map elle est encore pire. Mais déjà, où est-ce que je dois aller? C'est assez marrant tous ces petits blocs. Mais je comprends pas où je dois aller. Ok, là j'ai l'impression il y a un petit bloc rose. Ok, on est plutôt pas mal. Maintenant il faut passer les lasers. Bon, par contre, ce qui est cool, c'est que j'ai pas l'impression que c'est une map ultra rageante. Et ça, ça m'arrange pas mal, hein, parce qu'aujourd'hui on s'est déjà pris pas mal de petits obstacles dans la tronche. Ok, là, oh, oula, on va super vite par contre. Ouah, ah non, c'est un brouillard géant. J'ai cru qu'il fallait rentrer à l'intérieur. Oh non, ne dites pas qu'il s'est raté avec le spawn et qu'on meurt à l'infini. Allez, s'il te plaît. Non, mais qu'est-ce qu'il a fait? Bon, du coup, je me donne un dernier petit essai. J'ai dû relancer la map. Mais mets ton gros pouce bleu, abonne-toi à la chaîne et le code créateur qui est fou dans la boutique. Et j'ai réussi à prendre l'ascenseur. Enfin, s'il démarre, en tout cas. Allez, accélère. Ouh, c'est parti. Ah, mais j'espère que t'as kiffé cette vidéo. Et je te rappelle que si on a 50 000 soutiens au code créateur Kefko sur StumbleGuys, eh ben, je me rase les cheveux ou je les teins en violet. Ou alors le code BGE sur Fortnite. Merci à tous ceux qui le font. J'espère que t'as kiffé cette vidéo, BG. Et moi, je te souhaite une bonne journée. Allez, ciao.